Et après ça part en bûche, ok? Ou un 6, moi, vrai. Non, bûche, bûche, bûche. Il va sûrement bûcheron. Oh! On l'a eu, frérot! On l'a eu! Ok, ok, c'est peut-être pas perdu. Oh, le pré-shot de ouf! Je vous l'avais dit qu'il y avait une armée de Kikout là-dedans, là, hein? Vous vouliez pas me croire, mais ouais, les gars, il y avait une petite armée de Kikout. Et yo tout le monde, salut Mathieu, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo en rapport avec la CRL qui s'est passée ce week-end pour ceux qui ont suivi sur Twitch ou même qui ont regardé les rediffusions sur YouTube. Parce que oui, j'ai upload toutes les rediffusions sur YouTube, donc même ceux qui n'ont pas Twitch, vous pouvez aller voir les rediffusions en entière. J'ai pas fait de cut, comme ça vous pouvez tout vous remater. On a Viper, donc un français qui a fait un super parcours. Je vous dis pas combien il a fini pour pas vous spoil pour ceux qui n'ont pas vu. Et il a joué ce deck, il a été incroyable avec ce deck cochon séisme. Ça m'a donné envie de le jouer, même si je pense que ça va glisser très très fort. En plus de ça, je suis à 5-0 en super défi. Je sens que ça va être un carnage, que ça va être Lemon Tilt qui va jouer à ma place, parce que là, ça sent pas très bon. Avant ça, je voudrais vous remercier les gars. On a passé les 40 000! Bravo à vous. Merci les gars, merci beaucoup de votre soutien. Merci à tous ceux aussi qui mettent le code créateur. Il y a encore des offres. Donc n'hésitez surtout pas les gars, si vous les achetez ou quoi, le petit code créateur Lemon Tilt dans la boutique. Vous êtes énormément, vous êtes de plus en plus nombreux à le mettre aussi. Donc ça fait extrêmement plaisir. Merci de votre soutien les gars. Merci beaucoup de votre soutien. Et puis nous on est parti hein. Allez, on se met en mode Viper. Mode Viper activé, je lui ai absolument pas donné de conseils. J'ai juste regardé ses games du coup de CRL. J'ai vu qu'il avait refait un super défi avec. Et franchement, le deck a l'air incroyable. C'est très très dur de jouer ça. Surtout si on tombe par contre sur Electro Géant Tornade, je rage quitte. Hein. Ok, non, ça va. Alors, recrue, c'est très très difficile, mais c'est gagnable. Non, parce que là, au bout d'un moment, faut pas déconner, les gars. Si je tombais sur le Géant Elec, là, je pète un câble. Très clairement. Ok, bah déjà là, je sens que j'ai fait de la merde là. Je sais pas pourquoi, je sens que j'aurais dû défendre autrement, mais écoutez, c'est pas grave. On va partir comme ça. Le problème, c'est que si jamais il met des apis, bon, c'est pas grave. Écoutez, c'est pas grave. Enfin, ce bug de la Tesla. Ok. On va mettre le petit cochon. Si on peut mettre un coup, c'est parfait. Hein. Nice. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. On va cycler le petit colis, on prépare toujours la Tesla, au cas où. Ok, pas trop mal, à part les coups à gauche, en vrai on s'en sort pas si mal que ça. J'ai pas envie de séisme. J'ai pas du tout envie de séisme, surtout qu'il a pas la machine volante en cycle, donc en vrai je peux Valkyrie, je pense, dans le fond de map, sans que ce soit trop dérangeant. Ok... bah là je crois que j'ai pas trop le choix hein. On va peut-être mettre ça. Oh, je sais pas du tout comment il faut que je fasse. C'est ouf hein, je sais pas, j'hésite trop à chaque fois. Ok, ça peut être intéressant. Ok, ok. On peut peut-être un truc là. Attention. Sans kite. Ouais, 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 ouais. C'est pas mal hein. C'est pas mal du tout hein. Un coup, deux coups, deux coups, deux coups. Ah oh, ouais, c'est bon les gars, je suis Viper. C'est bon les gars, je suis devenu Viper. Bon, peut-être pas quand même, mais hop, petit coup de Valkyrie, petite bûche. Et ça claire tout ça. Mais c'est magique. C'est incroyable. Est-ce qu'on push Non, on va rien push du tout, hein. On va juste faire ça. Avec un peu de chance, on va mettre un petit coup de Valkyrie. Ok. Il l'avait mis comme ça. Hein. Et bah écoutez, moi je l'ai raté. Oh parfait. Oh parfait. Ok, ça va, on répartit les dégâts. Ouah, c'est chaud hein. C'est chaud de ouf. On a un bon séisme, je pense, à aller chercher là. Sur la cage. Ouais, ok, c'est pas trop mal. Ça va courir derrière. On va sûrement mettre un coup, mais pas deux. Ah, c'est un peu dommage. Ok, ça gratte. Parfait. On s'en sort pas trop mal pour l'instant. 794. Oh, ça va être chaud, ça va être chaud, 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 chaud. Je suis obligé de cycler mon 6 maintenant. Ok.
Ok, le focus qui se fait. Oh, la défense. Mais je suis incroyable. Je suis incroyable, les gars. Oh, il a raté. Il a raté. Oui. Let's go. En vrai, je pense que ça passait quand même. Même s'il réussissait sa cage, honnêtement, j'allais tellement cycler au niveau des sorts et tout. Je pense que ça passait plutôt crème, en vrai. Mais ouais, c'est cool, hein. Match-up pas facile du tout, hein. Je pense, après, il faut être agressif. Il faut être agressif sur les cochons. Là où ça se joue, en fait, c'est quand est-ce qu'il faut cycler ses sorts, quand est-ce qu'il faut full def. C'est vraiment là la subtilité du deck. Et c'est pour ça que je joue pas ce deck-là, hein, parce que je suis très très mauvais avec cochon. Et encore plus cochon séisme. Ok. Non, toujours pas. Non, pas de géant élec. C'est ma phobie maintenant. Non, pas ce deck de merde. Putain. Oh. On va envoyer des petits squelettes derrière pour éviter une tornade. Hop. Enfin, du coup, pour... Regardez. Ça, c'est la petite astuce quand vous savez qu'il va tornade. Vous envoyez des petits squelettes. C'est valable aussi avec le 2.6. Hein, et ça vous permet de gratter des super bons dégâts. Et en vrai, on s'en sort pas trop mal. Ce que j'ai peur, c'est que ce soit un PK ballon. Ok, non, ça va. Ça va. Attention au gel. Ouais, parfait. Non, ça, c'est du foutage de gueule. On appelle ça dans le milieu. Ok. Pour l'instant, c'est maîtrisé. Peut-être la vaquille qui n'était pas nécessaire, je pense. Mais j'avais un petit peu peur. Ok, le sorcier de gaz qui devrait défendre. Je pense que la Tesla va pas prendre. Hein. Une fois qu'elle sera morte, bam, j'ai envoyé mon cochon. Je pense que mon cochon, il va tout droit. Là, il va se dire, c'est bon, ça agresse. Et pas du tout, frérot. Ah, yes. Donc au final, PK, PK cimetière, Tesla tornade. Ouais, tout va bien. Hein. Tout va pour le mieux. Là, est-ce que je cycle mes archères? Non, je pense qu'on va cycler un séisme. Je pense que là, un petit séisme, ça fera pas de mal. Ok, parfait. Les archères font du terrain. Dans tous les cas, il pourra pas cimetière instantanément. Donc, on aura le temps de recycler. Et une petite Tesla comme ça sur le côté? Moi, ça me paraît bien. Une petite Tesla, et même si on la pose un petit peu en avant, ça va rester bien longtemps en vie. Donc ça me paraît pas trop mal. On va mettre un petit colis pour gérer tout ça. Évidemment, je l'ai raté. Sinon, c'est pas drôle. Ok, les archers qui restent en vie, parfait. Parfait, parfait, tout ça. La petite bûche pour aller clear. On est nickel. On va mettre un séisme pour aller gérer ça. Et après, on va partir en agression. Derrière la Valkyrie pour l'empêcher de tornade. Voilà. Bam, c'est parfait ça. Parfait, parfait. Ça défend tranquillement, on remet une Tesla défensive. Dans tous les cas, on risque rien, nous. Voilà, hop. Tranquillement. Ah, il tente de pré-shot à chaque fois, mais moi, je varie mes placements, frérot. Hop. Hop. Non, je l'ai raté. Je savais qu'il allait le mettre là, j'ai raté, j'ai mis ce clic. Oh, je suis un connard. J'ai raté mon séisme alors que c'était free win. Oh non, là c'est une grosse erreur que je viens de faire là, en vrai. Bon, c'est pas trop grave. On devrait quand même pouvoir la gagner, mais... Oh, les sorcières, les sorcières qui... Non, les archères qui grattent. Ok, petite Tesla. Qu'est-ce que c'est que ça? Okay. Il a mis ce clic là. Hein. C'est quoi cette Tesla? Oh non. Oh le con. Oh le con. Ok, parfait. Hop. Ouais. Il a toujours sa tornade. Hein. On va peut-être bourriner. Bourriner les petites archères pour dépop tout ça. Ah, c'est tendu, hein. C'est tendu. Ok, attention, le squelette devant. Ok, c'est bon. Là, on est bon, là. Hop. Et ce coup-ci, je le rate pas. Ici, là. Voilà. Vous allez voir la différence, hein. Regardez la différence. Voilà, la différence, bah, c'est que je vais mettre un coup. Je vais arracher le bourreau. Et que je vais recycler un... Ouais, la différence, c'est juste quand même, quand vous touchez le séisme. GG. Et de toute façon, on a juste à cycler les sorts. Bien joué à toi, frérot. Et bonne chance pour le suite de ton défi. On n'a pas des match-up faciles, hein.
Moi, je suis pas un expert en cochon, les gars. Moi, je veux juste un petit lockbait. Un lockbait, ce serait sympa, en vrai. Parce que là, on se tape quoi? On se tape bâtiment tornade. Plus recrue boule de feu bait. Après, on a l'âme de Viper avec nous. Donc, est-ce qu'on peut vraiment perdre avec ce deck? Je ne crois pas. Viper est avec nous. Tout va bien. Oula. Ok! Tout va bien. Tout va bien, mesdames et messieurs. Oh là 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 là, le match-up qui s'annonce incroyable. Double cochon, double Tesla. Il a une boule de neige, donc c'est pas exactement un match-up miroir. On va bien voir ce que c'est en tout cas. Là, je sais pas du tout comment je suis censé le jouer. On va mettre peut-être une Valkyrie. J'espère qu'il a pas de mousquetaire. J'espère vraiment qu'il a pas de mousquetaire. Ok. Après, on peut peut-être le outcycle. Hop, le surprendre un petit peu. Il va devoir recycler. Et maintenant. Oh! Un coup! Deux coups, frérot! Ah! Ah! Non, mais c'était pas prévu comme ça! Mais pourquoi il est aussi méchant? Ah oui, on met deux coups, mais on en prend quatre derrière. C'est rentable, mon move, là. Ah, super, hein. Ouais, peut-être un peu agressif. Ouais, il a bien joué, en vrai, sur les... Il m'a eu sur les archères, en fait. J'aurais pas dû séisme. J'ai été trop agressif avec le 6. Je pense que si j'avais pas mis le 6, c'était parfait. Ok, c'est pas grave. Ça se remonte. Il faut pas abandonner. Même si j'ai pas Vomito qui est dans un match miroir comme ça, normalement. C'est... Mais je pensais pas qu'il allait avoir assez pour le séisme. Hein. J'aurais dû Tesla ici. Ah, si j'avais Tesla ici, si j'avais eu un élixir de plus, ouais, ça jouait pas à grand chose. Hein. Ah, le problème, c'est que je peux rien faire, là. Ma game, elle est pliée en 4. Hein. Elle est pliée de chez pliée. Hein. Ok, on va faire ça. Hein. Bon, on n'a pas trop le choix. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, on gratte. On a gratté un séisme, hein, mine de rien. On a récupéré un séisme, il en fendrait encore 2 ou 3 pour être large. Son problème, c'est qu'il va cycler aussi sur la tour. Allez, on cycle. On n'a pas peur. Vrai bonhomme. Ok, il fait pareil, super. Ne vous inquiétez pas, les gars, c'est, ça fait partie de la strat. Merde, ça faisait pas partie de la strat, par contre. Ok, donc on va refaire ça. Ça, on attend qu'il collie. Bam, on renvoie. Tesla sur le côté. Non, j'aurais dû le prévoir. Oh, ça va tout droit. Non, j'avais ma chance de comeback là. Ah, on lui a fait la même. Oh, je suis mort. On lui a fait exactement la même. Et il y a peut-être quelque chose à faire. Hein. Il va pré-shot. Ok, il va pas pré-shot. Si, non. Ah, le bâtard! J'arrive pas à l'anticiper, là. Il nous met des petites feintes à chaque fois, là. Ok, ok, go, 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 go. Ah, je l'ai mis trop proche, et il va pouvoir pull avec la Tesla. Bah ouais, c'est prévisible, ça. Prévisible, ça, mon grand. Boule de neige? Ah, je suis deg, on a pris trop de retard là. Je suis deg. Il aura juste à cycler, ouais. Malheureusement. On va faire ça, 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 ça. Ouais, malheureusement, ça va pas suffire. GG, la boule de neige. Non, le 6 qui va finir. Ouais, on a. J'ai compris le match-up qu'à la fin, en fait. Et ça, c'est le gros problème des match-up miroirs comme ça, c'est qu'il y a absolument aucun outplay à faire. Une fois que vous êtes derrière et que vous avez fait une erreur, je peux pas, en fait. Parce qu'au bout d'un moment, je peux pas cycler deux fois plus de 6 que lui. Si je cycle un 6 sur la tour, il a juste à faire pareil que moi, en fait. Il a juste à jouer en miroir par rapport à moi. Et dans tous les cas, on se grattera autant. Donc, il y a eu une ouverture au moment où j'aurais pu séisme peut-être un petit peu plus à gauche. Et je pense que j'aurais pu comeback. Mais la grosse erreur au début de partie. Hein. My bad.
Il a pas été spécialement très bon, c'est plus moi qui ai été nul à chier, on va dire. Mais c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. On va cycler. Oh non, pas un golem. Oh là là, ça va être dur pour finir. Un petit golem. Des Famax. Ok, on peut peut-être kite un petit peu. C'est pas mal. Le problème, c'est qu'il va activer la tour du roi. Oh non, golem clone. Non. Oh non, golem clone. Oh, oh golem clone. Oh mama. Les problèmes. Il va arrêter tout ça là. Oh c'est loose. C'est tellement loose. Le bûcheron qui arrête une Valkyrie plus des archères. Tout va bien. Il va cloner, c'est fini. C'est ça, hein. Je suis obligé de surdéfendre, hein. Je sais pas s'il peut partir à gauche ou quoi. Mais j'avais tellement peur du clone. Ouais, la Valkyrie qui était peut-être en trop, du coup. Après, pour les chauves-souris, c'est vrai que j'avais pas trop le choix. Je sais qu'il a une armée squelette, hein, qui se cache. Le problème, c'est qu'il a des chauves-souris aussi. Donc, on va bien voir lequel il choisit d'envoyer. On va mettre une petite archère. Ah ouais, comme ça, on bait les chauves-souris. Enfin, on empêche les chauves-souris. Ok, pas mal. Et après, ça part en bûche, ok. Ou en 6, en vrai. Non, bûche, bûche, bûche. Il va sûrement bûcheron. Oh, oh, l'a eu, frérot. Oh, l'a eu. Ok, ok, c'est peut-être pas perdu. Oh, le pré-shot de ouf. Je vous l'avais dit qu'il y avait une armée de Kikuts là-dedans, là, hein. Vous vouliez pas me croire. Mais ouais, les gars, il y avait une petite armée de Kikuts. Ok, attention. Fléchasse. Ouais, c'est chaud. C'est chaud de ouf. Vite. Les archères, faut protéger les archères. Protéger les archères. C'est ma mission. Oh, ça passe. Oh, la défense de fou. Oh, la défense de fou, les gars. Let's go. On repart en cochon. On remet la pression direct. Voilà, ce coup-ci, tu m'as un boucheron. On est d'accord. Le petit bubu. Et là, ça devrait défendre en vrai en 10 secondes. Je vais rendre des salopes si je perds ma tour là, hein, vraiment. Ça passe. Oh là 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 là, les gars. Ok, moi je dis. Pour mon niveau sur le cochon séisme, c'est validé. On a eu des match-ups. Je sais pas en vrai. Je sais pas trop à quoi en penser, hein. On a perdu le seul match miroir. Je pense qu'on avait un super match-up par contre là. Bûche est beaucoup plus efficace que la boule de neige. Le problème c'est qu'on a troll le début de partie. Sinon les 3 autres games étaient ultra clean. Bah quand vous voulez les gars, je passe joueur au lieu de vous casser la CRL, hein. Quand vous voulez. Non, j'espère que la vidéo vous aura plu en tout cas. Et puis un grand merci à Viper pour le spectacle ce week-end avec ce deck, hein. Vraiment, allez checker au moins ces games sur la Rediff. Je vous jure que ça vaut le détour, les gars. Il vous a fait des défenses de malade. Ça n'a rien à voir avec ce que je vous ai fait dans la vidéo. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, à vous abonner. Parce que maintenant, bah, on va au 50K. Hein. Prochain palier, 50 000 abonnés. Il y a encore du boulot. Hein. Mais en tout cas, merci beaucoup de votre soutien, les gars. Merci d'être aussi nombreux au quotidien. Moi, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo et peut-être un prochain stream. C'était Lemonty. Ciao, ciao. Je vous kiffe, les gars.